Hey yo tout le monde, c'est Birko. Et aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode de Assassin's Creed 2. Alors pour rappel, la dernière fois on n'avait pas fait énormément de choses. On avait parlé à Leonardo da Vinci en premier temps. Et ensuite on était revenu parler à Mario Auditore de tête, je m'en souviens plus exactement, qui m'avait dit que j'avais 4 cibles à les tuer. Et nous allons justement aujourd'hui aller tuer la plupart d'entre eux. Mais juste avant, donc j'ai été récupérer l'argent dans le coffre. Et avec tout l'argent qu'on a gagné hier en faisant la crypte des Auditore, on va aller améliorer des choses dans mon Terrigioni. Je vais aussi baisser le son dans mes casques. Ok, alors qu'est-ce que je peux améliorer? Là c'est 5000, c'est un peu cher. La banque c'est 1500 et 5000, ce qui ferait 6500. Ça peut être cool parce que la banque, ça fait vraiment juste augmenter la valeur de la cité. Et là, ça la fait augmenter, comme ils disent, considérablement. Alors, je pense qu'on va faire ça. Comme ça, on gagnera pas mal d'argent. On l'améliore deux fois. Voilà. Comme ça, on l'a bien, bien amélioré. On a encore 1800$. Je pense qu'avec 1800$, on peut rien faire. Je vérifie. Mais ensuite, caserne, église et guilde. Non. Ah, il manque plus que la caserne, en fait, ici. Ah non, et la guilde des voleurs. Ça coûte trop cher aussi. Bon voyage. Ok. Voilà, valeur de Monterrey-Joni plus 11500, c'est juste énorme. La Monterrey-Joni vaut juste beaucoup plus. On va aller voir du coup. Ah non, faut aller la voir en parlant à Claudia. Du coup, on va parler vite fait à Claudia pour voir où que ça en est. Salut, Claudia. Ah, mais il y a toujours la petite cinématique. Ouais, je voudrais bien consulter le livre. 3023 florins, avant c'était 1800, donc vous voyez que augmenter la banque ça a juste complètement servi. Et espace de stockage maximum, il faut aller dans le coffre. Espace de stockage maximum, 12091. Vous voyez que ça a considérablement augmenté. Je vais continuer à améliorer la banque, comme ça à mon avis je vais essayer d'avoir, je crois que c'était 9000$. Je vais juste lui demander vite fait. Salute, Serezio. Voulez-vous consulter les tarifs? Ouais, je vais juste aller voir la banque, ça coûte combien? 9000, ok. Il va falloir revenir assez vite dès que j'aurai 9000 florins. Histoire d'augmenter la banque au niveau max. Et puis là, la valeur de Monterrey Junior aura juste vachement augmenté. Et on va pouvoir commencer à gagner vachement d'argent. Et donc pouvoir augmenter Monterrey Junior beaucoup plus vite. Voilà. Ensuite, on ira bien sûr s'acheter des armes. D'ailleurs, est-ce que je peux m'acheter un petit truc? Déjà à réparer. Voilà, on répare tout. Comme ça, c'est fait. Il me manque une partie d'armure. Ah oui, c'était les protections de bras qui me manquaient. Je peux mâcher les protections de bras en cuir. Je pense que je vais le faire. Protection de bras en Edgemith, on ne l'a pas. Ça coûte 2750. Ouais, on arrivera très vite à, quand même à 2750. Du coup, je vais plutôt attendre d'économiser un petit chouïa et me l'acheter à un autre forgeron à 2750. Ça coûtera moins cher. Alors, on va prendre le déplacement rapide. Non, on va prendre le cheval parce que je sais pas exactement où qu'on va aller. Je crois, j'ai des doutes sur le fait que c'est San Gimignano. De tête, ça se dit comme ça, mais j'oublie toujours. De tête, c'est San Gimignano. Ou alors, peut-être que là, on va à Florence. Je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Le truc, c'est que San Gimignano, ça me rappelle. Ah bah oui, c'est bel et bien San Gimignano. Parce que ça me paraît un peu. Petit San Gimignano pour avoir 4 ou 5, je veux dire, meurtres dans un seul endroit comme ça. Ça me paraît assez énorme. Ouais, mais San Gimignano en même temps. Ah non, en fait, c'est hyper grand en fait. Ah ouais, non, finalement, c'est méga grand. Ah oui, je voyais ça beaucoup plus petit. Ah, et nous avons un tombeau d'assassin. Et ben, on le fera au prochain épisode. Non, t'as un petit peu trop dézoomé là. Hop, on zoome un petit peu plus. Hop hop hop, ouais, il y a beaucoup d'endroits. Là, c'est pour aller vers Florence, d'accord. On va commencer par faire celui-là qui est ici. Parce qu'il est vachement éloigné de tous les autres. Donc, du coup, moi, j'aurais plus besoin de retourner à cet endroit-là. On va juste, du coup, faire le point d'observation. Parce que sinon, si on le fait pas tout de suite, ben, il faudra revenir plus tard. Et si on le fait tout de suite, on est tranquille comme ça. C'est dans cette sorte d'église-là, je suppose. Enfin, je vois pas d'autres endroits qui pourraient être une tour. Je vais voir s'il y a des coffres ici. Comme je vous ai dit, il faut vite que j'arrive à 2750. Voilà, il y a parfait, il y a des coffres. Il faut vite que j'arrive à 2750 histoire de m'acheter mes protections de bras en Edgemith. On est déjà à 1974, ça augmente vite. Non, fait demi-tour. Merci. On n'a pas d'autres des coffres. Je regarde vite fait, on va pas s'attarder trop là-dessus non plus. Il y en a pas l'air d'y en avoir d'autres. Ok, on va aller à l'église. Église, je l'ai perdu. Ok, c'est bon, il est là.
Ah oui, je sais pas si je vous l'ai dit déjà dans cet épisode-là, mais j'ai changé l'emplacement de mon micro, histoire qu'il me dérange moins, quand je fais ma facecam, et tout simplement pour jouer tout court. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que du coup, ça perd en qualité ou pas dans la voix, ou si justement ça augmente en qualité, on sait jamais, par rapport à avant. Voilà, ça m'intéresse vachement. Je vais prendre le coffre, et puis on va aller chercher l'église là-haut. Enfin, le point d'observation de l'église. Comme ça, c'est fait, et puis je serai tranquille pour la mission, quoi. De toute manière, je pense que là, ça va pas être un point d'observation qui va débloquer d'autres points d'observation, comme on a vu à Florence. Je crois que c'en est juste une qu'on prend, et c'est bon. J'entends une plume, voilà. Il y a une plume. On va aller chercher la plume. Parce qu'il faut quand même pas déconner, on prend les plumes. Hop là! 9 sur 100. Et ben, petit à petit, j'ai dit qu'on n'allait pas faire toutes les plumes. Mais comme je dis petit à petit, on commence à gagner quand même vachement de plumes. Donc bon, c'est pas pour dire que ce que je dis je le fais jamais. Enfin, quand je dis un truc je le fais pas et je fais toujours autre chose. Mais quand même la majorité du temps ça se fait comme ça. Alors le point d'observation, faites voir d'ici comment ça rend. Bon, de toute façon on le verra en faisant ça. Ça rend quand même vachement beau. Et San Gimignano, je crois que dans ma tête je confonds peut-être San Gimignano avec autre chose. Où que c'est qu'il est? Ok, c'est là-bas. Oui, d'accord, en fait, je croyais que deux villes étaient différentes, alors qu'en fait, c'était la même ville, c'était juste que c'était deux entrées différentes de la ville que je me souvenais. Là, je viens de vérifier, là, en regardant comme ça, je pourrais pas vous expliquer, ou alors je vous expliquerai n'importe comment, donc ça vaut pas le coup. Mais, en gros, je voyais cette ville comme étant deux villes différentes dans mes souvenirs, alors qu'en fait, non, c'est la même ville, mais deux entrées différentes, en fait. Voilà, voilà. On va aller tout de suite, on va laisser le cheval là-bas, on n'en aura pas besoin, je suppose. Et de toute façon, on en a un juste là, c'est parfait. Salut toi. Ah, te voilà. Ça y est. Nous avons trouvé Stefano da Bagnone. Tu n'as qu'à suivre ce chemin, il te mènera jusqu'à l'abbaye où il a trouvé refuge. Attends, avant de partir, prends ceci. Tu pourras t'en servir pour faire diversion. Merci, mon ami. Je crois savoir de ce dont quoi il nous parle. Introduisez-vous dans l'abbaye et tuez Stefano de Bagnone. Excusez-moi pour mon accent plus que mitigé. Ah yes. Ok, bon, je voulais juste vérifier. Je viens d'en gâcher un comme un con, je sais. Je voulais juste vérifier. Ok, on va prendre notre arme. On va prendre d'ailleurs notre petite arme. Parce que c'est notre préférée. Et on va y aller. Alors, utilisez la vision d'œil pour identifier les gardes cachés parmi les moines. Il y a des gardes cachés parmi les moines. Ok, il y en a plein là-bas. Ok. Prendre nos lames secrètes. On va essayer d'en tuer deux en même temps. Oh non, j'avais dit deux en même temps. T'en as tué qu'un seul, idiot. Ok, de deux. Ok, là ça va être mort. On va prendre ceux-là. Allez, attaque-moi. Hop là. C'est fait. Ceux-là sont méchants. Et d'ailleurs, ne veulent pas me voir. Ok, là, c'est un garde aussi. Là, j'ai le droit d'être ici. Hein. Oh non! J'ai loupé. Ouh, il fait vachement mal cette arme-là. Allez, vas-y, attaque-moi. Hop là! Oh non! Ouh, je m'y attendais pas. Allez, vas-y, attaque-moi. Ouh, j'étais pas sûr. Ça, c'est l'attaque la plus violente, moi, je trouve, de tous les Assassin's Creed réunis, limite. Ok, il est là-bas. Non. Ton ennemi. Ok, là, c'est Stefano da Bagnone. Pourquoi? Pour la protection divine. Si vous croyez que votre seigneur s'intéresse à nos petites affaires, alors vous risquez d'être déçu. Mais je vous en prie, ne vous gênez pas pour moi. Continuez à vous bercer d'illusions. Si cela peut vous aider. Ouais, mais je voudrais que tu bouges un petit peu histoire que je puisse te tuer d'un coup. Même renier jusqu'à son existence. Hop là! Sans qu'il me voie. Je sais pas comment il a fait pour pas me voir, mais il m'a pas vu, c'est l'important. Voici venir l'heure de vérité. Où est Jacopo? De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Ils se réunissent dans l'ombre des dieux romains. Sois libéré de tes craintes. Ok, normalement là ils vont tous vouloir me tuer, bien sûr, comme d'habitude. Même pas. Oh! Ce fut la violence!
Ce fut la violence. Oh, comment j'y suis allé, je l'ai tué, je suis reparti, ils ont rien vu. Attendez, et si j'en fais comme ça, par contre, ça reste des gardes. Ok, faut que, quand même que je fasse gaffe. Alors, quel est le prochain sur la liste? Ah merde. Ici. Ok, du coup, on va monter. Ouais, on va monter. Il nous faut juste un cheval. Il y avait un cheval juste à côté de la personne qui nous a donné la mission. On va aller chercher. Non, pourquoi je suis recherché? Quoi ça se fait que je suis recherché? Enfin, oui, bon, je viens de tuer quelqu'un, donc c'est bon. C'est, ça peut être l'une des raisons. Mais je pensais pas que j'étais repéré, en fait, dans cette région-là. Va falloir vite que je rebaisse mon niveau de... Comment on peut appeler ça? Un peu comme les étoiles dans GTA, quoi. Notre niveau de méchanceté. On va appeler ça comme ça, notre niveau de méchanceté. Va falloir que je le fasse baisser. Parce qu'il est quand même à fond, donc c'est quand même la violence. Il faudra d'ailleurs que je le baisse à 0. Alors ici, est-ce qu'il y a un coffre? Normalement, il y en a un. D'ailleurs, non, c'est bon, j'ai déjà mes 3700. Ouais, donc on va un peu ignorer les coffres. Bon, si on passait et qu'on le voyait, on l'aurait pas ignoré. Mais bon, là, il nous saute pas aux yeux, du coup, hop. Là, il y a un coin. Souvent, les coffres, ils sont dans les coins, comme ça. Sachant que là, il n'y est pas. Là, il y en a pas. Il n'y a pas de coffre, sérieux? Ça me paraît bizarre. Ah, voilà. Ça me paraissait bizarre qu'il y ait une maison comme ça en plein milieu et aucun coffre là-bas. Sûrement là-bas, d'ailleurs, il y en avait un aussi. Mais bon, on va pas aller chercher. 490$. Ah, ça, c'était cool. On a déjà 4214 florins. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est des florins. On en a déjà 4214. Ça, c'est cool. On aura bientôt les 9000, histoire de pouvoir faire notre banque au niveau max. Ça, ça va être cool. Mais le truc, c'est que quand j'y pense, il nous faut pas seulement la banque au niveau max. Il nous faut aussi des protections d'armure. Surtout les protections de bras. Parce que vu que je n'ai pas protection de bras du tout, le fait d'en acheter en Edgemeat, ça me fera sûrement plus augmenter que d'acheter un torse et tout, qui sont normalement plus puissants. Vu que ça améliore pas seulement du cuir vers le Edgemeat, mais carrément de que dalle au Edgemeat. Donc forcément, ça m'améliorera plus. Voilà, on se fait lui, on récupère notre cheval. Et on va se faire le prochain. Le prochain qui est où? Le prochain qui est ben, juste à côté de la mission. C'est parfait, juste à côté de la mission. On va le faire vite fait. Et ensuite on ira faire la mission et on ira dans la ville histoire de faire encore une mission de plus. Et si j'arrive à faire les 4 assassinats en un épisode, et ça pourrait être vraiment cool. Ça, ça fait déjà 15 minutes, j'ai fait un seul assassinat, ouais ça me paraît... Ouais, ça me paraît un peu gros quand même. Hein. Vous me direz, si ça se trouve, les autres assassinats, ça va être plus court. Et puis en même temps, là, j'ai fait des points d'observation aussi, que après, j'en ferai pas. Ok, bon, ça reste à voir. Éventuellement, je ferai les 4 assassinats en un épisode. Au pire, je ferai un épisode un peu plus long. Hein. Ça peut se faire, ça aussi. Et au début de l'épisode, j'ai fait plein de trucs annexes, genre les améliorations, etc. Que je pense que, voilà, tout ce qui est banque, etc., j'achèterai tout ça au prochain épisode. Ouais, je vais essayer de faire les 4 assassinats dans cet épisode-là. Allez hop là on y va. Puis on va gagner plein d'argent qui ne sera largement suffisant pour améliorer mon armure etc. Tu me fais quoi là? Non mais tu commences déjà à me troller. J'avais dit que je vais me dépêcher et toi tu commences à me faire perdre du temps. Avoue t'as fait exprès. Bon. Alors la mission elle est là-bas. Il est où? Ouais t'inquiète je te vois. Hop là t'as vu je passe sur le mur comme ça. C'est la puissance, c'était pour te montrer qui c'est qui était le boss. Alors salut toi. Nous avons trouvé l'archevêque Salviati. Il s'est barricadé derrière les murs de cette villa. Emmène quelques hommes. Ils élimineront les gardes. Ensuite, escalade les murs et trouve un moyen d'ouvrir les portes. Ah. Je commanderai ma propre armée. Jusqu'ici, j'ai toujours agi seul pour éliminer mes cibles. Ça va me changer. Ça me plaît. Avec l'aide des mercenaires de Mario, neutraliser les gardes et la villa et éliminer Francesco Salvati. Pas de problème. Bah venez du coup. Ok, c'est bon. Ils viennent. Bah, il y a déjà ceux-là là. Hop là. Et de 1. On va sûrement tuer les autres en 2 secondes. Attendez. On va plutôt contre-attaquer, comme ça on one shot. Voilà. Et lui il se barre. Non, 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 tu te barres pas comme ça toi. Hop là, voilà, parce qu'après tu risques de revenir. Enfin, je sais pas s'il risque de revenir après, mais bon. J'ai l'impression qu'il y a un risque qu'il revienne. Ok, venez là.
Il est là. Allez-y. On peut pas en tuer au moins un comme ça, ouais, de 1, 2. Hop là. Ah non, j'ai pu en tuer seulement deux de cette manière-là. Vas-y, attaque-moi, eux. On peut les contre-attaquer, les one-shot en contre-attaquant seulement avec les lames secrètes, ceux-là. Hop là. Non, non, tu me fais quoi, toi? Je vais te démonter. Le mec, c'est un ouf. Il commence à m'attaquer et tout. Ouais, on peut pas passer par là. Hein. On va partir du principe qu'on ne peut pas passer par là. Par où est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur? Parce que là, la porte, elle est clairement fermée. Je pense que j'ai pas besoin de vous le préciser. Ok, on va faire le tour-tour. Ok. Et de 1. Ou et de 3. Et de 4. Voilà, moi j'aime pas compter de 1 en 1-1. C'est trop lent. Ah mince. Ah mince. Ah mince. Alors, on va arrêter tout de suite. Le truc c'est qu'il faut vraiment appuyer pile au moment avec la lame secrète quoi. Et on n'a pas le droit de spammer, ça compte pas si on spamme. Hop, hop, voilà. On le tue vite fait, on l'enchaîne. Hop là. Il reste plus que le dernier là-bas. Hop, hop, hop. Allez, fini. Maintenant c'est bon, on peut monter, on peut ouvrir la porte, on peut tout faire s'il vous plaît. Oh mais c'est pas possible. Ok, il est en train de me faire un truc bizarre là. Ah, il est débile. Crève, 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 s'il te plaît. Oh mais il y en a partout, c'est juste insoutenable quoi. Mourez tous. Mais c'est pas possible. Attendez, 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 attendez. Ah moi je veux bien, mais à un moment. Faut pas déconner. Hop là, allez, on les attaque. Et hop là, on en tue deux. Et 2, 3. Non, oui. Il en manque plus que un. Continue vite fait. C'est bon, je peux y aller, je peux ouvrir la porte. Moi je croyais que j'allais faire l'émission en 2 secondes, tranquillement posée. En fin de compte, non, je mets 5 jours. Alors, tenez-vous prêt. L'assassin est arrivé. Il faut que je trouve un moyen d'ouvrir les portes. Ouais, il faut d'abord que j'ouvre les portes avant toute chose. Ok, on va ouvrir les portes. Je t'avais dit de ne pas approcher, assassin. Tu aurais dû m'écouter. Y en a un qui m'a repéré ou quoi? Hop là. Ah non, y'en a un qui était juste. Y'en a qui était juste là, je l'avais pas vu. Ok, lui on va essayer de l'avoir en contre-attaque. Allez, allez, allez. Non, vous loupez. Ah, mais des fois ils mettent un temps différent en fait à chaque attaque. Hop là, voilà, c'est bon. Moi j'aime bien quand ils attaquent vite. Parce que c'est vraiment là, à ce moment là que j'ai vraiment le bon tempo. Alors, elle est où la cible là? Ah, elle est juste là. Et hop là! C'est fait! Je rêve au duo, dit des promesses. Il sait que tu le cherches. Il ne sortira de l'ombre qu'au moment de rejoindre les autres. Je l'attendrai. Mais dis-moi où. La foi nous apporte toujours l'apaisement. Non, la souffrance. Requiescat in pace. Voilà. Ouais, occupez-vous d'eux. Moi, je me barre. Hein. Démerdez-vous. J'ai d'autres choses. J'ai d'autres chats à fouetter. Comme diraient certaines personnes. Non, mais je rêve ou c'est des vrais? Bon. Bon, on va se battre contre eux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Et de 1. Et de 1, s'il vous plaît. Ah, voilà. Bon. Tu m'as attaqué, désolé, j'avais pas vu. Je ne t'ai pas riposté pour te manquer de respect, mais c'est juste que je t'avais pas vu. Ok, vous vous occupez d'eux ou vous avez besoin de mon aide? Le truc c'est que je dois aller chercher mon cheval qui est par là-bas. Donc du coup je suis obligé de me rapprocher. Hop là, lui on se le fait vite fait. Hop là. Voilà, il reste plus que lui. Qu'on va se faire vite fait. Ah non. Oh non, il m'aurait attaqué, je l'aurais juste eu magnifiquement. Merde. Ok.
Oh. Ok. C'est bon, je peux aller chercher mon cheval. Que c'est pas que je perds du temps là. Ah bah c'est bon. Ok, c'est bon, mon cheval est là. Ouh. Bon. Maintenant, est-ce qu'on peut aller rentrer dans la ville, s'il vous plaît? Ok, là-bas, il y a une porte. Est-ce qu'elle est ouverte? Je crois qu'elle est ouverte. On a déjà 3023 florins. Vous voyez que ça valait le coup d'acheter la banque. On a déjà 3023 florins dans la banque. C'est vraiment un truc de fou. Alors. Du coup, j'ai le droit d'entrer complètement, hein. Ah ouais, j'avais oublié que... J'avais oublié que j'étais recherché par les gardes. Ok, on va monter. Il faut vraiment que je baisse mon état de recherche. Là-bas, il y a un... Ok, j'ai juste fait une ellipse, le temps de devenir incognito, parce que ça a dû prendre 5 bonnes minutes, parce qu'à chaque fois, il y avait des gardes qui me repéraient, etc. C'était la mouille, j'ai pas voulu vous montrer ça, parce que c'était quand même un passage assez chiant. Du coup, c'est parti, on va faire l'émission. Maintenant qu'on est incognito, ce sera 1000 fois plus simple. Alors encore une fois désolé pour cette petite ellipse, mais bon, je vous promets que j'avais commencé à filmer au début, mais ensuite je vois que ça a commencé à prendre une minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, mais ça, encore je vous dis 5 minutes, ça aurait limite pu prendre 5-10 minutes, j'irais. Hein. Salute Ezio. Antonio Maffei a trouvé refuge au sommet du plus haut monument de la ville. Cet homme décoche autant d'oraisons que de flèches. Il est évident qu'il n'a plus toute sa tête. Et pour ne rien arranger, il a posté des archers dans toute la zone. Je te conseille de les éliminer avant de t'approcher de lui. Merci pour ces informations. Ok, assassiner Antonio Maffei au sommet d'une des tours de San Gimignano. Ok, on va le faire. Déjà, au-dessus de laquelle il est. Enfin, il doit être au-dessus de celle-là. C'est plus ou moins en face de moi, et puis il y a des gardes au-dessus. Je pense que ça doit être au-dessus de celle-là, ouais. De toute façon, la première chose à faire, là, ça va être de monter au toit. Histoire, déjà, d'avoir une meilleure vue sur tous les archers. Et puis, on va vite fait aller voir c'est laquelle, la tour. On va pas commencer à monter à toutes les tours sans réfléchir. Ok. Déjà, on va éliminer aussi les gardes qui nous dérangent, bien sûr. D'ailleurs, on a été incognito pour, en fin de compte, devoir nous faire repérer durant la mission. Intelligence extrême de Birko. On va prendre cette affiche, comme ça, ça nous remet à zéro. Ok, il est au haut de cette tour là. Voilà, bien sûr la plus haute. Hein. Il n'allait pas chercher la plus basse pour nous faciliter le travail. Hein. Non. Faut qu'il aille à la plus haute. Lui, direct. Bon. On va monter par là, ensuite c'est à droite. Ok. Oh, il vous dit des trucs. Enfantez-vous, implorez le pardon pour toutes vos fautes. Ok. Il est vraiment devenu fou. Hein. Cette mission là, quand j'y pense, avec l'habilité qui nous permet de sauter, genre on la ferait juste en 2 millisecondes. Quoi. Ce serait juste un truc de fou. Mais là, on doit bien prendre le chemin, etc., etc. À mon avis, ils ont fait ça vraiment pour gagner du temps, de durée de vie. C'est pas le GG Ubisoft sur le coup. Hein. Non, bah, ça va, c'est quand même assez court. Et en plus, il dit ces petits trucs. Je vous conseille de lire quand même les sous-titres. Moi, je les écoute pas parce que sinon, ça fait un gros blanc et ça devient un peu... On perd un petit peu le rythme. Et ensuite, on est moins fort lors du commentary. Mais ce qu'il dit, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment incroyable, quoi. Il est vraiment devenu fou, hein. Écoutez bien. Alors, c'est par où? Ça doit être par là. Voilà, c'est juste ici. Vous voyez, ça prend 2 secondes finalement. Allez, hop là, du coup tu sautes. Hop là. Non. Ok. Mais non, le voilà. Que dis-tu? Ok, pendant que lui tombe, on va prendre lui. Et on va le jeter joyeusement au sol. Hop là. Lol. Oh, ok. Ouh. Waouh. Ça c'était la violence quand même. Non pas forcément. Je voulais que tu ramasses le corps. Et hop là. Ok, je sais même pas pourquoi je fais ça en plus. Non. Oh. C'est lui que je vais tuer. Ok, c'était lui. Moi, je l'ai pas fait de manière RP avec la lame secrète, autant pour moi. Sois maudit, démon. Le Seigneur te rappelle auprès de lui, mon ami. Mon heure n'est pas encore venue. C'est moi. Puisses-tu enfin trouver le repos éternel, corps et âme. Requiescat in pace.
Ok, en fait lui était devenu complètement fou. Ils nous remettent sur le toit du coup ici. Ils nous remettent ici. Le réalisme, j'avais déjà dit. Bon, pas grave. Dernière mission, on y va. Où que c'est qu'elle est? Et juste à côté du tout le monde d'ailleurs, là il y a un coffre. Et c'est bon, je crois qu'on a quasiment les 9000 florins. Hein. Voilà, déjà 8611. C'est parfait, on aura sûrement les 9000 florins de la banque pour le prochain épisode. Là, le tombeau d'assassin, on le fera au prochain épisode. Si je pense qu'au prochain épisode, on va finir un petit peu la zone de San Gimignano. Tout ce qui est tombeau d'assassin, tout ce qui est aussi point d'observation, etc. Et ensuite, on ira peut-être faire, pourquoi pas, un petit contrat d'assassinat. Et ensuite... Pourquoi je suis en train de monter à cette tour? Et ensuite, on ira faire des missions principales. Voire même, si ça se trouve, il y a les missions principales sur la San Gimignano, je sais pas. Moi, je pense qu'on va juste faire ces 4 meurtres et ensuite aller à Monterey Johnny. Mais si ça, ça se trouve, ça va continuer à San Gimignano, quoi, je sais pas. Je m'en souviens absolument plus à ce niveau-là. Et hop là. On se fait ce coffre. T'inquiète, je vole ce coffre et ensuite j'y vais. Ne t'inquiète pas pour ça. Là déjà 8871 florins. Et on va parler à lui. Ezio, tu tombes à point nommé. Bernardo Baroncelli s'est manifesté. À la bonne heure. Dis-moi où le trouver et j'irai m'occuper de son cas. Ce n'est pas aussi simple. À son retour de Constantinople, Lorenzo l'a mis aux arrêts. Et ce scélérat a réussi à s'échapper. Pensons qu'il se trouve quelque part à San Gimignano. Va bene. Je vais bien finir par le trouver. Comment comptes-tu réussir là où nous autres nous avons échoué? J'ai ma petite idée. Je vous avouer que j'ai pas tout écouté, j'étais dans mes pensées là personnellement. Bon, trouver assassiné Bernardo Baroncelli. D'accord, c'est tout ce que j'ai à savoir. Quelle est ma cible? Alors, c'est par là-bas, d'accord. Ok, on va le voler lui vite fait parce que sinon après il est chiant. Et hop là, on va monter sur le toit direct. Oui, San Gimignano, il a une sorte de... Comment dire? D'architecture hyper bizarre. C'est sur une montagne en fait, avec plein d'étages. Il y a plein d'escaliers et tout, donc pour monter, c'est vachement bizarre. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça comme ça d'un coup. Mais au moins vous le savez, c'est important. Ouais. Attends, deux secondes. Voilà. Descends ou je suis un homme quoi? Descends ou je suis un homme? Je suis pas descendu donc du coup je suis un homme, c'est ça que tu veux me dire? Ou... Enfin j'ai pas trop compris le message que tu souhaites me faire passer. Bon, on va y aller. Hop là. Alors où c'est qu'il est? Ok, il est juste là. D'accord. On va prendre lui. J'irai me réfugier ailleurs. Ok. Comme vous trouvez le sommeil? Quand dormir? Non. Et hop là. Normalement là il y a une grande course poursuite qui se fait. Heureusement qu'il est un peu bugué. Parce que sinon c'est méga long. Où est Jacopo? Je suppose que tu comptes lui réserver le même sort. Il n'est pas trop tard pour soulager ta conscience. Nous nous retrouvons le plus souvent à l'église. Je suis sincèrement désolé que ça finisse ainsi. Requiesca de pace. Par contre là comme vous avez vu, il y a le monde entier autour de moi. Du coup, on va prendre tout de suite bombe fumigène. Allez, passe là. Ok, c'est bon. Après, tu te barres. Tu cherches pas à comprendre. Tu te barres. Hop là. Oui. Là, ils me voient pas. Ok, là, je suis tranquille. Juste à attendre. Ah, c'est juste le bordel ici, quoi. Mais où peut-il bien être? Ah, il est en train de chercher dans le champ de blé. Oh, ils peuvent faire ça. Je me barre. En plus, j'ai même plus de bombes fumigènes. Oh, ça va être la mouise. Oh là là, comment ils ont croisé juste derrière moi les épées. Allez, vas-y, cours. Cherche pas à comprendre. Pourquoi tu cherches à comprendre? Cherche pas à comprendre, juste tu cours. Hop là. Non, alors toi tu vas pas venir me faire chier, je pense que j'en ai déjà suffisamment derrière moi. Hop là. Non, tu cours. Tu me chopes pas, regarde, fais demi-tour. Mais où suis-je? Comment peux-tu faire pour savoir où je suis? Allez vers les gardes. Non. Wesh. Je vous ai payé, ils m'ont complètement ignoré. Genre je leur ai donné leur argent et puis ensuite de quoi? Non, je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler. Ok. Ok, toi, venez avec moi. À quoi ils vont se battre pour moi? Ah mais non, mais c'est pas vraiment ce que je voulais moi.
Moi je voulais sûrement. Enfin bon, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. On va se barrer par là. Eh mais c'est la mouise. Vous pensez vraiment que je vais réussir à m'enfuir sans mourir là? J'espère que oui, parce que sinon la mission elle est pas validée. Hop là, on va passer par au-dessus là. Je vais essayer de les perdre. Oh, le petit champ de blé qui fait plaisir. Quoi, ils m'ont vu rentrer dedans? Ah, les enfoirés. Les enfoirés, les enfoirés. Ok, faut que je me barre. Je vais me barrer par là. Oh non, oh oui. Ok. On passe par là, ensuite par là. On passe par là. Il faut un champ de blé. Il faut un petit bac de blé, s'il vous plaît. Pas de blague de blé. De bac de blé, je veux dire. Le truc, c'est que la plupart du temps, en cherchant un bac de blé, en fait, je les sème pendant que je cherche le bac de blé. Hop là, on saute là-dedans. Et là, on est tranquille. Non, rentre là-dedans. Non, mais pourquoi tu rentres pas là-dedans? Non. Oh, oh là. Ok, bon, on va se barrer par là. Ok. On va monter ici. The course poursuite. Là, pourquoi là on trouve que des prostituées? Pourquoi on trouve pas de vrais guerriers maintenant qu'on en a besoin? Je n'ai pas roi, mais bon. On va partir du principe que non, oui. Non, mais il y en a de plus en plus. C'est juste incroyable. Vous, allez, venez m'aider. Allez, battez-vous. Ok, je vais essayer de me battre. Bien sûr, je ne vous promets rien. Hop là. C'est que là j'ai des gardes qui sont avec moi, donc du coup il y a complètement possibilité quoi. Hop là, hop là, hop là, hop là, c'est fait. Lui. Allez, attaque moi. Hop là. C'est fait. Lui. Hop, 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 hop. Voilà. Lui, on se le fait vite fait. C'est bon. Ouh. Ça aura mis longtemps. Et juste ici, normalement, je crois qu'il y a une page du codex. Non, je ne peux pas vous dire. Non ? Ah non, c'est une page du codex que j'ai déjà. D'accord. Et bon, on va arrêter l'épisode ici. Hein, c'était un épisode quand même assez long. Je vais juste aller parler au héros qui est là-bas. Héros, c'est lui en fait. C'est la personne qui gueule. C'est pas du tout un héros comme vous pensez. D'ailleurs, j'ai 10 000 $. Ça va être parfait. Je vais. 42 minutes. Sachant que l'épisode. Ouais, l'épisode fera quasiment 40 minutes. Mais je vais faire un truc qui va être quand même assez important, qui est que je vais aller voir un forgeron et m'acheter le brassard en Elchmitt, ce qui me permettra de ensuite à la fin de la prochaine mission quand même avoir je suppose 9 000 $ et donc quand même pouvoir me faire la banque au niveau 3 dans Monterrey Johnny. Mais il faut juste que je trouve le forgeron avant. Bon, on va mettre comme ça parce que sinon on va pas le trouver. Ok, on a un juste ici. D'ailleurs, juste à côté du coup de la mission. Mais je pense que la prochaine mission, je sais pas ce que ça va être, mais je suppose que ça va être d'aller tuer Jacopo. Je suis pas sûr, mais je pense que ça va être ça, vu que bon, c'est la personne qu'on charge depuis le début, qu'on vient de faire les 4 assassinats, qui peut être un peu comme l'enquête de manière RP, l'enquête avant de faire l'assassinat. Voilà, là il faut que je trouve le forgeron histoire de m'acheter vite fait les brassards. Voilà, ils sont juste là. Armure, protection de bras en cuir. Non, je vais me l'acheter en Elchmitt directement. Plus 1, plus 3. Là, ça me ferait plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1,5. Vous voyez, c'est quand même mieux de m'acheter la protection de bras en Elchmitt. D'ailleurs, ensuite, je peux m'acheter d'autres choses, genre la jambière et l'épaulière en Elchmitt. Bon, ensuite, je suis pas sûr que je pourrais m'acheter. Ouais, ensuite, je suis pas sûr que je pourrais m'acheter à coup. Ah, si, parce que. J'ai tout l'argent, j'aurai les 8 000 $ qui seront dans les coffres. Oh oui, bah du coup je peux l'argent m'acheter l'épaulière. Et la protection de bras en cuir, ben du coup non, puisque je l'ai déjà. Du coup je vais en profiter pour m'acheter des munitions. 1500, ça m'aura quasiment tout pris. Et les couteaux de lancer, je vais m'acheter le maximum que je peux, c'est-à-dire jusqu'à 8 sur 10. Ouais, c'est que j'avais oublié qu'en fait j'avais l'argent qui était dans le coffre. Et dès que j'arriverai, j'aurai 8 000 $. Je crois que ça coûte 9 000 $, il faudrait que j'arrive juste avec 1 000 $. Qui sera sûrement la récompense de la fin de la prochaine mission. Ou alors deux coffres. Donc bon, c'est pas le truc le plus compliqué à récupérer. Voilà, donc dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé le quadruple assassinat, quoi, le quadruple meurtre. Ouais, on va plutôt appeler ça quadruple assassinat. Ça sonne un petit peu mieux quand même. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce sera aussi une vidéo un petit peu longue, quasiment les 40 minutes. Donc aimez la vidéo si vous l'avez aimé, abonnez-vous à la chaîne si elle vous intéresse.
Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.